Salut, c'est Jean. Pat Boutin, de retour le 9 février. On lance le tome 27 de La geste des Chevaliers Dragons. Côté américain, va voir les photos sur Facebook, mais je veux te parler de la deuxième édition, réédition du Green River Killer, basée sur une histoire vraie qui a gagné un Eisner Award en 2012. Alors, c'est une série de meurtres à Seattle durant les années 80. Il y a 48, au moins 48 victimes, 48 femmes. Ça a été écrit par l'auteur, c'est le fils de l'enquêteur qui a capturé le meurtrier après 20 ans. C'est éclair de Jocelyn Bonnier et il rencontre un nouveau fan, même un anglophone qui va lire en français l'idiot. Yeah, man! Pat, je te regarde.